Salut tout le monde! Hey, un petit mot avant de vous parler du programme de la journée. Je veux parler d'Éric Duhaime qu'on a eu hier. Une belle émission, une heure et quart. Et on a couvert plein de sujets. Aujourd'hui, je regardais les sondages et je voyais qu'il nous parlait de ses plans puis du travail qu'il va mener au cours de la prochaine année. Il faudra qu'il pédale parce qu'il est en dernière place des sondages, 12 %. Mais il n'y a pas juste lui qui devra pédaler. Le premier ministre Legault, lui, ça va être double pédalage, parce qu'il a beaucoup rétro-pédalé là, depuis un an et demi dans à peu près tous ses projets. Là, il faudra qu'il marche assez fort. La CAQ a perdu la moitié de ses intentions de vote. Aux élections, ils ont eu 41 % du suffrage populaire. Maintenant, ils en auraient 21 %. Et puis, Québec solidaire, les libéraux font du surplace à 17 et 15 respectivement. Mais le grand gagnant que nous allons avoir la semaine prochaine en entrevue, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec 32 %. En fait, le PQ est en tête des sondages. Et avant, c'était un petit peu en tête. Là, ils sont pas mal en tête, comme s'ils s'en allaient vers un gouvernement. C'est assez spécial parce que quand Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé dans le paysage, moi, je pensais que c'était un nerd, un peu comme Hossan qui était arrivé là, qui arrivait du London School of Economics, puis qui était supposé nous réinventer la roue. Ça n'a pas été très, très fort, son affaire. Donc, quand Saint-Pierre Plamondon est arrivé, je disais, bon, un autre nerd. Mais non, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu un ton qui est assez en connexion avec ce que le Québec sent actuellement. Il y a beaucoup de bing-bang, puis de mauvaise humeur, puis de disputes. Puis lui, il arrive, quand ça chicane, pourquoi? Il reste toujours cool. Et moi, j'ai toujours dit, tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui, ça dépend du ton. Tu vas prendre la même phrase dite par François Legault, puis tu prends la même phrase dite par Saint-Pierre Plamondon, ça ne sonne pas pareil. Legault, il sonne paternaliste. Lui, il a fait ses choux gras de la pandémie quand il nous disait, comme le père en chef, il nous disait, bon, ben, là, je me suis trompé, mais c'est parce que, puis là, je me suis trompé, puis c'est parce que, puis bon, on acceptait, parce que la science ne savait pas trop où aller. Mais une fois que la pandémie est finie, quand il recule, puis le troisième lien, je pensais que c'était bon, puis dans le fond, c'est plus bon, puis il n'y a pas d'études, puis alors, et puis après coup, il revient avec le troisième lien quand il perd dans Jean Talon, puis il dit « OK, je vais revenir ». Donc, le rétro-pédalage de M. Legault, ça écoute bien les points. Alors, on va parler de ça lundi avec le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai hâte de lui parler et de parler de son ton également. Avec une heure et quart, là, comme on a fait avec M. Duhaime. Maintenant, au programme aujourd'hui, un couple québécois qui s'en va aux Bahamas. Ils veulent réaliser leur rêve. Leur rêve, là, tenez-vous bien, là, c'est un couple. Il y a la femme qui veut, elle, donner des cours de yoga puis de méditation. Il y a le gars qui, lui, aime les chevaux puis il veut faire de l'équitation, donner des cours d'équitation. Alors, ils ont réglé le cas, ils s'en vont aux Bahamas. Ils ont acheté une terre, ils sont en train d'en faire un ranch avec des chevaux, ils ont acheté des chevaux. Et là, ils se font des cycles de méditation, ils invitent les touristes à aller coucher là, ça va être comme une espèce de resort, là, tout inclus, puis tu vas méditer, puis tu vas faire du cheval. Ça, c'est le rêve d'un couple qui s'appelle le Good Life Couple. Vous connaissez peut-être Alexandra Cosentino, elle était dans Occupation double, elle est avec son chum Kevin Maillet au cours des prochaines minutes. Mais auparavant, je reçois un jeune humoriste que mes filles m'ont présenté. Il s'appelle Charles Pellerin. Et elles l'ont vu à Verdun sur une scène. Puis elles m'ont dit, écoute, il faut que tu l'invites parce qu'il est transcendant. Je veux dire, il rit d'un événement qui est arrivé dans sa vie. Il a perdu tous ses poils dans le temps de le dire. Et il en rit. Regardez un extrait de son spectacle. Après ça, je me disais, mais je peux plus... Je peux plus me cacher là, avant ça. Moi, écoute, avec les cheveux, je me mettais un chapeau, les lunettes, ça paraissait pas. Mais là, de même, comme j'ai pas le choix d'en parler, là, on s'entend, ne serait-ce que pour rassurer les gens, parce que, tu sais, tout le monde pense que j'ai le cancer, mais non, tu sais, j'ai juste le look. Le swag cancer, comme même les gens qui ont le cancer sont convaincus que je suis dans leur équipe, comme je sais. J'allais me chercher une poutine il y a pas long, puis le gars avant de moi, visiblement, faisait de la chimio. Puis il s'est retourné, puis il a juste fait une espèce de... Puis je savais pas quoi faire, tu sais, je me sentais imposteur, puis en même temps ému de voir que les cancéreux ont un genre de salut de moto, tu sais.
J'étais là, bonne route, camarade, allez! Avec moi, donc, Charles Pellerin. Salut, Charles! Salut, Denis! C'est mes filles qui t'ont vu, qui m'ont dit, faut que tu l'invites. Ben oui, merci à tes filles. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait... je suis sorti de l'école de l'humour en 2016. Donc, professionnellement depuis 2016, puis de manière amateur depuis le secondaire. Au secondaire, tu montais sur une scène devant tes amis ou quoi? Ouais, ben en fait, j'ai été chanceux parce qu'à mon secondaire, il y avait 3 programmes d'art. Puis avant, il y en avait 2. Moi, je suis la première année du cours d'art dramatique. Puis ça a été un hasard, là. Je suis tombé en amour avec l'impro. Après ça, je suis tombé en amour avec l'humour. Fait qu'à partir de secondaire 4-5, j'ai commencé à écrire des numéros puis à monter devant l'école pour les présenter. Alors là, tu as construit une carrière, mais il t'arrive une épreuve dans la vie. C'est que tu as... Comment ça s'appelle? Comment cette maladie? L'alopécie. L'alopécie, c'est la même condition que la blonde de Will Smith, exact. C'est ça? Exact, même chose que Jada. Hein, on se souvient de Will Smith qui avait été giflé Chris Rock parce qu'il avait fait une allusion au fait que justement, il n'y avait pas de cheveux et il n'avait pas aimé ça. Il est allé donner une grande varlope devant tout le monde. tu n'as pas varlopé personne à cause non, de ça? Non, pas à date, non. Alors, raconte-moi comment c'est arrivé dans ta vie, ça. C'est arrivé... En fait, ça a commencé à l'été 2021. C'était complètement normal, puis j'ai commencé à perdre ma barbe tranquillement. Je me faisais pas trop de soucis, là, parce que moi, je me disais, écoute, je sais pas. Pas besoin de me raser. Oui, c'est ça, pas besoin de me raser, mais tu sais, ça arrive à, souvent à des trous de barbe ou peu importe. On n'a pas tous une belle barbe complète comme toi, là, Denis. T'sais. Puis après ça, ça a été mes poils de moustache. Là, c'était le premier signe là, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là. J'avais la moustache d'Hitler, là, carrément. Ah oui, t'as un juste de petit. Oui, ouais, j'ai juste perdu ses côtés comme ça. Ah. Fait que une journée, je l'ai rasé. Là, j'étais en vacances en Gaspésie à côté du rocher percé. J'avais le gros trou de moustache, puis j'avais le rocher percé en arrière. Deux trous dans chaque, ouais. Dans chaque domaine. Puis après ça, ça a été les sourcils. Sourcils, là, ça a vraiment été... Sourcils, ça doit être paniquant, par exemple. Oui, sourcils, c'est paniquant. Surtout que, tu sais, moi, j'ai un métier public, là, dans le sens où je fais des spectacles. Ça inquiète les gens aussi. Moi, quand ça arrivait, je ne savais pas ce qui se passait, mais je devais continuer à jouer parce que c'est mon métier. Fait que je disais aux gens, hey, je perds mes sourcils, je n'avais pas d'explication. Donc, tu sais, les premiers jours que tu as fait là-dessus, c'était juste les sourcils. Oui, c'était par rapport aux sourcils. C'est pour ça que dans le spectacle, il y a quand même un focus sur les sourcils, tu sais, parce que c'était vraiment le premier élément qui est tombé. Ça, c'est une période de combien, là, juste ta figure? Ça, ici, c'est à peu près un mois et demi. Un mois et demi, quand même, c'est assez ouais. rapide. Oui, très rapide. Puis, à partir de là, je suis allé consulter dermatologue, ma médecin, etc. Puis, le diagnostic est tombé, alopécie. Le terme exact, c'est de la pelade. Puis, t'es allé consulter une fois que tes cheveux étaient atteints ou avant que ça atteigne? Avant que les cheveux soient atteints. OK, parce que tu t'es dit, si ça atteint mes cheveux, peut-être que je pourrais mettre du Propecia ou je sais pas trop quoi. Oui, oui, ben j'ai fait ça, là, tu sais, moi j'ai mis du Rogaine, j'ai tout essayé, là, tu sais, j'ai tout acheté des affaires. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là, c'est comme un genre de truc qui fait des trous. Tu sais, c'est comme, t'as l'impression d'un peu de labourer la terre, là, tu laboures un peu ta barbe. Quoi, puis supposément que ça fait des micro-perforations, puis que ça fait... C'est le poids. Oui, c'est ça, exact. Mais moi, ça n'a pas récolté fort. Tu as pensé à arroser. Oui, c'est ça. Mais ouais, à partir de là, j'ai eu le diagnostic. Puis, tu sais, donc, tu as eu le diagnostic avant de perdre tes cheveux. Ouais, tu t'y attendais à perdre tes cheveux. Bien, pas nécessairement, parce qu'avec cette maladie-là, ça peut être partiel. Oh, ça peut arrêter. Ça peut arrêter. Ça peut être juste des trous. On le sait pas. Ils savent pas pourquoi ça arrive. Tu n'as pas trop d'informations. C'est ça qui est paniquant aussi. Donc, toi, Matin, à ce moment-là, tu devais toujours être en train de te checker les cheveux. Oui, je regardais qu'est-ce que j'ai perdu, tu sais, ouais. Mais les cheveux, ça a été très vite, là, en 2 semaines. Deux semaines? Oui, j'avais les cheveux, là, tu sais, c'était épais comme les cheveux de Jerry Boulet, là, tu sais, c'était comme... Ah, ouais. C'était une bonne motte, là, que j'avais, là. Fait deux que, semaines? Ça veut dire que quand tu te lèves, sur ton oreiller, il devait avoir un moton de cheveux tout le temps? Ah, mon Dieu, dans la douche, c'était horrible, là, tu sais, je veux dire, je passais ma main... On voyait plus ma main, là, comme le... Ouais. Le drain bouchait à chaque douche, là, tu sais, c'était comme... Non, mais puis je suis capable un peu d'imaginer, parce que à peu près à ton âge, moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux, mais c'était pas ça, là, mais j'ai commencé à perdre mes cheveux, puis je suis allé voir le dermatologue, il m'avait donné un shampoing spécial, finalement, j'ai passé au travers, mais
le temps où, tu sais, j'avais 24-25 ans, tu disais, hey, vas-tu être chauve à jeune de même, là? Puis, donc, tu t'es posé, tu sais, dans ta tête, là, c'est pas, il faut que tu y penses vite si ça arrive en 2 mois et demi, là. Ah, ben absolument. Tu sais, moi, je continue de faire des spectacles, tu sais, à tous les jours, il faut un peu que j'adapte mon matériel. Ah ouais, tu rajoutes, parce que ça paraît plus? Mais t'as pas le choix, tu sais, à un moment donné... Arrive une journée, puis j'ai un trou ici. Ah, yo. Mais le matin, tu te lèves, puis tu vois ton premier trou. C'est paniquant. Moi, en parallèle, tu sais, j'avais une campagne de pub pour Option consommateur qui s'en venait. J'avais un tournage. Fait que moi, je voulais pas... Tu sais, parce que cette maladie-là, ça peut arriver, puis ça peut revenir tout de suite. Fait que moi, je voulais pas tourner, avoir l'air malade, puis quelques mois après, tout est réglé. Ouais, tu sais, ouais. C'est juste trop étrange comme message. Fait que tu sais, t'as tout ça, tu penses à, mon Dieu, ça va être quoi ma carrière, là, tu sais? Ouais. Je veux dire, maintenant j'ai l'air malade, j'inquiète les gens au lieu de leur faire rire, tu sais, leur faire oublier un peu. C'est sûr, on pense tout de suite à chimiothérapie. Exact. On va dire, bon, ben, le gars est en chimiothérapie, à son âge, il n'a pas de cheveux, puis il n'y a plus... C'est ça, exact. Les gens pensent souvent que j'ai le cancer, on me le demande, tu sais, des fois je le sens dans... L'approche des gens, tu sais. Ah, ouais. mais donc, là, ça commence à partir. Tu as tes premiers motons, mais si je comprends bien ton allure, c'est que tu as encore des cheveux avec des trous. René Lévesque, c'était ça, là. T'as-tu pas fait une flipper de même? Oui, tu as fait ça. Ben, je ne l'ai pas flippé exactement de même, mais tu sais, j'avais un gros trou ici. Tu sais, je gardais mes cheveux. Je me disais, ah, je vais pas tout raser. Puis finalement, je l'ai fait. Là, arrivé à Noël, j'ai moi-même rasé mes cheveux. Okay, j'arrête ça, là. Ouais, j'ai fait OK, ça c'est pire. Si tu les laissais pousser, est-ce qu'il y en a encore, tu penses? Ou... Ah, j'ai rien. Plus rien? C'est doux, là. C'est partout, pas, le pubis, les jambes... Au complet. Au complet. Aïe, aïe. Ouais. Et ça, c'est arrivé là, de 10 à 0, là, c'était sur une période de combien de temps? De juillet à décembre. C'est extraordinaire. C'est, ouais. C'est un coup de tonnerre dans ta vie. T'avais-tu une blonde à ce moment-là? Oui. Est-ce que tu as la même blonde? Oui, j'ai la même blonde. Comment elle a réagi? Honnêtement, elle a été formidable. J'ai jamais senti que ça a changé quoi que ce soit pour elle. T'sais, elle était plus inquiète pour moi. Puis, est-ce qu'il va se sentir bien? Est-ce qu'il va se trouver beau? Mais on dirait, j'ai jamais senti dans ses yeux qu'il y avait une différence. T'sais, pour elle, j'étais le même gars. Tout aussi beau. Ça a vraiment rien changé. C'est même elle qui m'a rasé les cheveux dans le bain. Là. Elle a été exceptionnelle. Si j'avais senti que ça l'avait affecté, je pense que ça aurait été la partie la plus difficile. Mais là, ça va. Je veux dire, elle est encore là. On est fiancés. Tout roule. Est-ce que tu te trouves beau? Parce que tu dis, elle avait peur que je me trouve plus beau. Est-ce que tu réussis à te trouver beau? Oui, je me trouve beau. Ouais. Ça t'a pris un peu de temps à t'habituer à ça puis à être capable de dire, bon, ben écoute, je me regarde la face, encore un beau bonhomme. Oui, oui. Ben, en fait, au début, c'était même pas une question de beau ou laid. C'était pas moi. Ah, oui. Tu regardes le miroir, tu te reconnais pas. Ouais. Tu te croises, des fois, tu marches, tu te regardes dans. La vitre d'un char ou peu importe. Je pensais pas que c'était moi. C'est comme curieux de ne pas se reconnaître. Puis après ça, tu sais, j'avais un peu le sentiment, pas d'être un monstre, OK, mais comme j'avais le sentiment d'être la personne différente. Mm-hmm. Tu sais, on me regardait beaucoup avec l'inquiétude. C'était surtout ça, de sentir la pitié des fois. Ça, c'était plus difficile. Moi, maintenant, je me trouve beau. Il y a des journées où moins. Mais comme tout le monde, je pense que c'est ça. Ah ouais. Exact, mais en général, je me trouve beau, tu sais. Puis même, j'en parle dans le spectacle, mais on m'a parlé d'un médicament qui semble prometteur. Mais tu vois, moi, à date, j'ai pris la décision que je n'allais pas le prendre, là, dans le sens où... Pas à titre expérimental, mais s'il était, tu sais, c'était établi que tu as, je ne sais pas, 50 % de chances que ça repousse au complet avec une pilule, tu ne prendrais pas? Pas aujourd'hui, non. Ah non, pourquoi donc? Mais je pense pas que je voudrais vivre le choc de ravoir des cheveux. Ah oui, ça sera un choc? Ben maintenant, oui, parce que, tu sais, à l'inverse, je me suis habitué à mon nouveau visage, entre guillemets. C'est juste à quoi, 2 ans et demi, à peu près? Oui, mais quand même, c'est assez pour t'habituer. Puis, je sais pas, il y aurait l'anxiété de voir, tu sais, comment ça revient. Tu sais, ça se peut que ça revienne pas
de manière intégrale. Je sais pas de quoi ça aura l'air aussi, là. Ouais. Un peu comme quelqu'un qui se fait transplanter des cheveux, puis qu'on dirait qu'il y a du poil de poche sur la tête. Non, mais c'est vrai, il y en a que ça réussit, puis il y en a que ça réussit pas. Oui, ouais, ben moi, ce serait mes vrais cheveux, tu sais. Ouais. Ce serait pas... Je pense pas que ça aurait un feeling de poil de poche. Oui, mais tout d'un coup, la pilule a fait pousser le poil de poche sur la tête, c'est bon. C'est expérimental encore, là. Mais tu me parlais du regard des autres. Tu disais au début, c'était pénible. Est-ce qu'ils te regardent différemment ou toi, tu t'es habitué au regard des autres maintenant? Tu sais, je pense qu'en général, dans la vie, on se trouve plus important qu'on l'est, là. Tu sais, souvent, on a peur du jugement des autres, mais au final, les autres se torche complètement de nous. On est plus important pour nous que pour les autres. Fait que je pense qu'il y a une partie imaginée où tu perçois le regard différemment. Avec le temps, peut-être que je m'en soucie moins. Je pense aussi que j'ai somme toute l'air en santé. Fait que je pense pas que les gens maintenant se disent nécessairement il y a le cancer ou quoi que ce soit. Je sais pas. Je sais pas si je m'habitue ou si... C'est le regard qui s'est atténué, mais moi, je me sens bien par rapport à ça maintenant. Quand même, tu mets une tuque. Oui, mais c'est parce que c'est frais. C'est ça, il a fallu que tu t'habitues à la fraîcheur de la vie. La température, mais tu sais... C'est vrai, c'est comme de la fourrure, dans le fond. Oui, oui, puis tu sais, la tuque, ça ne me dérange pas de l'enlever, mais je trouve que des fois, ça aide à définir le visage. Tu sais, là, il y a une caméra ou quoi que ce soit. Ou, non, mais tu es plus à l'aise, ma main là. Ah non, c'est juste une question que je te pose. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me dérange pas. Puis des fois, sur scène aussi, c'est qu'il y a tellement de lumière, puis j'ai une peau assez pâle. Ça rayonne, là, tu sais. Ah, ça... ouais. Mais tu peux te maquiller. Il y en a qui se maquillent le coco, là, les chauves, là. Ouais, ben, entre me mettre une petite pas de matifiante puis un bonnet. C'est moins compliqué de se mettre le bonnet. Mais quand même, tu as des lunettes aussi en spectacle. Oui, mais je les mets juste dans la première minute. Ah, okay. Au final, c'est plus pour choisir moi quand je vais révéler mon alopécie. Disons, c'est pour pas... Alors, pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui vont te voir et ils ne le savent pas maintenant? Oui, je pense encore. C'est pas tout le monde qui a vu mon spectacle ou qui connaît ma maladie. T'sais, même si j'en ai parlé à plusieurs endroits, mais non, je pense que ça peut être une surprise pour certaines personnes. Puis des fois, les lunettes, ça m'aide aussi à ne pas avoir à en parler. T'sais, des fois, tu as envie de parler d'autres choses que ta maladie. Fait que quand tu mets les lunettes, puis. Parce que tu as eu ça jeune. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a eu ça, il devait avoir 60, 65 ans, puis bon, il a trouvé ça décourageant, mais il avait 65 ans, puis des gens chauves à 65 ans, il y en a plus. Ouais. Tu sais, à 20 ans, il y a le Propecia là, qui marche, il y en a qui calent un petit peu des coins, là, puis ils vont voir le médecin pour prendre ces pilules-là pour éviter de caler. Ouais. Parce que, comment tu vois ça, je cherche un mot français pour chauvinité. Mais comment tu vois ça, pour les jeunes, là? Ben, tu sais, ça me fait rire des fois, mais j'ai des amis qui perdent leurs cheveux, puis ils sont tellement absorbés, là. Exact, puis ils m'en parlent en oubliant que j'ai tout perdu. Fait que ça me montre à quel point ça habite les gens, puis c'est une peur, puis je la comprends. Il y a une forme de deuil aussi. Là-dedans, là, tu sais, on dirait que c'est comme le passage à la vie adulte où tu constates un peu où tu es rendu dans ta vie. Tu sais, je trouve pour certaines personnes, tu te fais des peurs. Est-ce que je vais être autant désiré, attirant, peu importe. C'est ça, le rapport avec les femmes est important en ce moment-là. Oui, c'est surtout pour ça. Moi, je sens plus que pour l'image personnelle. C'est plus comment les autres vont me percevoir. Fait que je le comprends, mais d'un autre côté... tu sais, c'est pas important, dans le sens où... Ouais, toi, tu l'as vu en 2 mois. Oui, exact. Mettons en 6, là. C'est, tu sais, l'apparence, pour moi, tu sais, je les trouve encore beaux, mes amis qui ont perdu leurs cheveux, mais je veux dire, l'apparence, c'est pas... il y a vraiment autre chose. Hein, en plus de ça, pour les jeunes d'aujourd'hui, quand tu étais jeune, il y a 40 ans, ben, tu me parlais de René Lévesque tantôt. Il n'y avait pas de façon de réagir autrement que de se prendre la couette, se faire pousser bien long d'un bord puis aller de l'autre côté, ou d'essayer de truquer les choses. Maintenant, avec la nouvelle mode, Kojak, là, c'est-à-dire que les jeunes qui calent ici, ils se rasent au complet comme toi. Là, puis raser, il y en a tellement, là, au lieu de se checker justement avec un miroir tout le temps, décide de se raser. À partir du moment où les jeunes font ça,
c'est comme si c'était plus facile parce qu'il y en a plus. Il y en a plus qui ont le coco rasé maintenant. Oui, puis même pour eux, tu sais, je veux dire, ça veut dire qu'ils l'ont accepté. Entre guillemets, tu sais, ouais, c'est comme s'ils ont fait, ah, c'est ça, puis maintenant, il n'y a pas de problème. Tu sais, des fois, je trouve ça plus difficile de voir quelqu'un qui le camoufle trop. Ah ouais? T'sais, ben, on dirait que tu sens que cette personne-là n'est pas nécessairement bien, tu sais. Il y en a encore des jeunes, René Lévesque, là, tu parles, est-ce que moi, j'essaie de penser à ça? Pas autant que René, tu sais, mais tu le vois, là, il y a beaucoup de casquettes, là, dans ma génération. C'est vrai, il y a la casquette aussi. Ah, ouais. Mets-tu une, des fois? Mais tu sais, pour pas brûler, là, surtout. Ah, ouais, ben, oui, c'est ça. ça attire le soleil. Ça cogne direct. A posteriori, là, maintenant, quand tu regardes, c'était quoi le plus difficile? Parce que quand on vit une expérience, on en tire des leçons positives, manifestement, avec ton spectacle qui te permet de rebondir, puis de faire du judo avec l'épreuve qui t'est arrivée. Tu disais, bon, mourir de ça, puis ton choix est bien bon. Il est disponible sur YouTube, d'ailleurs, si vous voulez voir de quoi ça a l'air. Mais ça, c'est le côté positif, mais négatif. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le plus difficile, je trouvais que c'était de l'expliquer à tout le monde. Tu sais, parce qu'on était un peu dans un contexte de pandémie, il y avait des confinements. Puis à chaque fois de sortir, puis de devoir le justifier à chaque personne, ça, je trouvais que c'était le plus difficile. Parce qu'il y a des gens que tu connais pas nécessairement très bien, mais qui vont quand même te poser des questions. Ça, on dirait qu'à chaque fois, je trouvais ça difficile d'être celui qui va pas bien, tu sais, d'arriver quelque part, puis... il se passe quelque chose avec lui, tu sais, j'aimais pas ce statut-là, tu sais, j'avais juste envie de rentrer quelque part, puis que ce soit comme d'habitude, tu sais, puis des fois, dans la réaction des gens, c'était jamais volontaire, mais des fois, ça faisait mal quand même à entendre, parce que les gens sont spontanés, puis quand ils répondent d'instinct, t'as un peu accès à comment eux l'auraient vécu. Ah, OK. T'sais, on dirait qu'ils se projettent. Plus ils ont l'air angoissés en te posant la question, plus tu te dis, ouh, dans le fond, ils se posent des questions sur moi, sur toi. Oui, tu sais, beaucoup de gens disent, moi, à ta place, je me trouverais pas beau. Il y en a toujours le mot. Comme, vous êtes pas mal plus beau à télévision ou l'inverse. Ouais. Une fois, avec une de mes filles, on est à traverser du lac Saint-Jean. Puis il y a une madame qui arrive un peu en état d'ébriété, là, tu sais, souper dans les rues. Puis elle vient me voir, puis elle dit, « Mais vous êtes bien plus beau dans la vie qu'à la télévision. » Puis elle dit 10 fois, « Mais vous êtes bien plus beau. » Puis j'ai une petite fille qui avait 6-7 ans, à ce moment-là, Andréane. Puis Andréane, la madame, elle s'en va, puis elle dit, « Elle devait te trouver pas mal laite à la télévision. » Puis la madame, elle pensait qu'elle me faisait un compliment, mais tu sais, dans le fond, à toi en mettre, là, c'est pas... Donc, c'est un peu ça que tu ressentais. Ouais, exact, tu sais, un gars que je connais qui m'avait dit « Hey, mon Dieu, c'est le fun pour ta blonde. » comment tu veux répondre à ça? Mais il n'y a rien à dire. Mais donc, pendant la pandémie, ça t'arrive, ça. Mais pendant la pandémie, tu as un tas de collègues qui sont devenus des stars à cause d'Internet. Arnaud Soli, il me semble qu'on l'a connu à partir du moment où il y a eu la pandémie. Comment il s'appelle, celui qui a un nom qui finit par... Pierre-Yves Roy des Marais. Aussi, il me semble qu'on l'a connu aussi sur le net. Ouais. En as-tu profité? As-tu pu donner un coup? Parce que la pandémie, ça a aidé votre génération là, par rapport aux plus vieux. « Tasse-toi, mon oncle », c'est arrivé pendant la pandémie. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant la pandémie? Bien des affaires. J'ai fait bien des affaires. J'ai pas fait du contenu régulièrement. Je pense que c'est ça qui a marché pour Arnaud. Pierre-Yves sortait beaucoup de tunes. C'est pas exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai écrit un spectacle virtuel que je jouais sur Zoom. J'ai écrit un spectacle sur le futur, nouvelles technologies, les futurs enjeux. Puis je l'ai juste joué sur Zoom à partir d'un studio de chez nous. Puis en parallèle, j'ai commencé à faire une tournée de spectacle extérieur qui s'appelle le Chaise Pliante Tour. Mm-hmm. Puis, ça fait rock, hein, quand même. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que ça nous prend un grand espace parce qu'il faut que les gens soient répartis. Mm-hmm. Fait que on a appelé des vignobles, des cidreries, etc. Ah ouais, c'est ça, avec la distanciation. Oui, on a fait des partenariats avec eux autres. Dans le fond, on venait s'installer, on faisait le spectacle là. Les gens amenaient leurs chaises, fait que pas de contamination. Puis j'ai commencé à jouer dehors. Puis ça roule depuis 4 ans là, déjà. T'sais, on joue à chaque été devant 300 personnes à l'extérieur. Mais là, tu m'as dit 21, donc tu commençais à perdre tes cheveux. Tu as commencé à faire tes jokes là-dessus pendant la pandémie. Ouais.
d'or avec du monde tout en chaise pliante. Ouais, j'ai commencé là, puis après ça, tu sais, ça a surtout commencé en septembre, puis là, on avait recommencé à faire des shows, fait que je faisais ces blagues-là dans des salles aménagées, là, mm-hmm. fait que c'était comme des rayons de plexiglas, tout le monde était séparé, il y avait 25 personnes dans la salle, puis moi j'arrivais avec des sourcils très minces, tu sais, on dirait que je m'étais inspiré de ma grand-mère, mais quand même... Peut-être que le fait qu'on était en pandémie, ça t'a permis de relativiser, relativiser les choses, parce que, tu sais, dans le fond, la planète était sans dessus-dessous. Tu disais, bon, OK, j'ai plus de poils, mais compte tenu de des problèmes d'ailleurs, il y a pire. C'est comme ça que tu t'es consolé en disant, il y a pire. Non, je me suis pas consolé comme ça. Tu sais, au final, je suis vite tombé dans... la création, puis ça a été ça mon moteur. D'écrire un spectacle là-dessus, ça m'a vraiment Tu as fait des premières parties de gars connus. En plus, j'ai vu François Bellefeuille, J'ai du temps. Le fais-tu encore? Oui, je fais les deux en ce moment. Jay est en tournée, puis Bellefeuille rôde en ce moment. Fait que, c'est par solidarité que Jay s'est coupé les cheveux alors que t'es en première partie, parce qu'il y a les cheveux longs, puis... Oui, c'est ça. J'ai fait un défi tête rasée un peu plus extrême. Là. Mais comment tu vois la suite des choses? Parce que ton spectacle, il repose entièrement là-dessus. Là. Puis, c'est bidonnant parce que c'est justement, tu nous fais comme un tas de confidences tout le temps. Puis tu dis, oh, tu sais. Mais là, les gens vont comme l'accepter, vont dire, bon, OK. Puis toi-même, tu l'as accepté là, de la façon dont tu me parles. Comment tu peux construire un autre show? Bien, tu sais, la deuxième moitié du spectacle. Parle un peu moins de pilosité. Mm-hmm. On plonge un peu plus à l'intérieur, disons, puis je parle d'anxiété beaucoup. Pourquoi? T'as fait de l'anxiété ou quoi? Ouais, énormément. Avant ou avant ça? Toujours, mais je te dirais que le pire était assez synchronisé. Est-ce que ça peut être lié? Parce qu'il me semble que ce genre de maladie-là, ça doit être auto-immune. Oui, exact. C'est pas lié au stress? Il y a une chance que oui. Le lien n'est pas évident. Mais, tu sais, quand moi, je fais de l'introspection, le lien est assez direct, fait que... Est-ce que fais-tu un lien, puisque tu dis que tu as un lien, est-ce que dans ta mémoire, il y a, à partir du moment où ça a commencé à tomber, tu as une période très anxiogène, tu sais, il y a des moments où tu vis beaucoup d'anxiété, tu penses que c'est ça? Le timing est étrange, disons. Fait que, tu sais, je parle de ça dans le spectacle beaucoup, fait que, tu sais, pour la suite... je suis pas inquiet parce qu'au final, c'était quand même un changement. Je faisais du stand-up très d'observation, parfois engagé. Puis dans celui-là, je parle vraiment de moi puis de ce que j'ai vécu. Puis ça va être ça pour la suite, tu sais, je pense. Ce que tu vis va évoluer. Là, exact. C'est ça qu'on aime au Québec. D'autres défis. Moi, je pense qu'au Québec, c'est le genre d'humour qu'on aime le plus. Mm. Tu sais, des fois, je regarde les Américains qui sont très grinçants. Puis souvent, les critiques d'humour, ils disent « Ah, moi, j'aime ça quelqu'un qui rentre dans la tomate de tout le monde. » Puis des fois, les critiques du bye-bye, le lendemain du bye-bye, « il était pas assez méchant, il était pas... » Mais l'humour méchant, je ne suis pas sûr que les Québécois soient nécessairement là-dedans. Là. Ils aiment mieux quand... parce que si tu nous parles de ta vie, tu vas nécessairement faire de l'autodérision. Mm-hmm. Ça fait partie de... Si tu nous comptes tes affaires bien sérieusement, on ne rira pas, là, ça va être plat. et donc, je pense que c'est un humour que les Québécois aiment. Es-tu d'accord avec ça ou c'est moi qui est dans le champ? Oui, je pense qu'il y a quand même des gens qui aiment ça grinçant, évidemment, mais je pense qu'on est une société assez humble. Puis des fois, un ton grinçant, on peut avoir tendance à se dire, mais c'est pourquoi il se permet de dire ça sur cette personne-là? Tandis que parler de soi, je veux dire, je parle de moi, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, c'est ma vie, c'est ce que je traverse. Fait que je sens que les gens s'identifient beaucoup à travers ces histoires-là. Des fois, tu sais, mon histoire de l'OPC, je veux dire, on s'entend, c'est assez pointu, mais au final, ça rejoint beaucoup plus de gens que je pensais, parce qu'on a tous déjà fait un deuil. Ben voilà, c'est ça. Tu viens témoigner d'un deuil que tu as fait, puis c'est un deuil important quand même. Oui, puis je pense que les gens aiment ça en général, avoir une histoire, sentir que quelqu'un est honnête. Puis c'est la force du stand-up, à mon avis, c'est de parler de sa vie, puis d'y donner une autre perspective. Moi, l'humour, c'est ma manière d'être heureux, là, dans le sens de prendre mes problèmes, puis de...
d'en rire, pour moi, c'est ça la résilience, puis c'est ma manière d'opérer, fait que je pense que c'est assez généralisé. Tu me dis tantôt que des fois, ça revient, ceux qui font de l'alopécie, là, à un moment donné, ça revient. Et tu m'as parlé d'anxiété. Si tu calmais ton anxiété, est-ce que tu penses que ça pourrait revenir? Bien, j'ai beaucoup calmé mon anxiété, puis j'ai encore l'air de ce que j'ai l'air. Ouais. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est ça, une maladie auto-immune, c'est... Moi, c'est de l'arthrose. Mes mains sont tout décon, j'allais dire déconque. Je dirais pas de même. À la télé, on n'avait pas le droit de le dire, mais ici... C'est permis. Faut que je me pratique, là. Déconcrissé. Oui! Je suis pas habitué de parler de même à la télévision, mais quand mon anxiété... parce que moi, c'était pas de l'anxiété comme le stress du travail. À partir du moment où j'ai arrêté de travailler, là, j'ai pris une semi-retraite, c'est moins pire. Mm-hmm. Alors, moi, je me dis, si ton anxiété ou ton stress, pas nécessairement de l'anxiété au sens « je fais de l'angoisse », mais si ton stress diminue, peut-être que tu vas avoir deux, trois touffes de poils de plus, je sais pas. Ben, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, là, tu sais. Même, je suis médicamenté depuis un bout, tu sais, je fais beaucoup d'efforts là-dessus. Puis, c'est pas revenu. Donc, tu comptes pas là-dessus? Je compte pas là-dessus, tu sais, mais ça me ferait long. On dirait que j'ai l'image de moi qui médite puis que ça pousse en temps réel. Là, mais, comme un champ de tomates. Comment tu vois la suite de ta carrière dans ce cas-là? Ah, ben j'écris un autre spectacle déjà, fait que je rôde dans les bars en ce moment à Verdun, justement. Est-ce que tu en parles encore ou... Non, j'en parle pas. Ah, pas encore? Non, j'essaie d'aller ailleurs. Je trouve que j'ai quand même fait le tour du sujet. Sauf que c'est tellement drôle, c'est un peu... ça doit être difficile de s'éloigner de ça. Tu sais, je veux dire, il y a des gags, moi, je l'ai... Allez voir sur YouTube, il y en a que je ne veux pas dire, là, parce que c'est vraiment des beaux punch. Ça doit être comme auteur, puis comme livreur de marchandises, comme comédien, là. Ça doit être difficile de dire, « Hey, ce texte-là, il punch, il est bon, mais il est fini. » Ça doit être dur. Oui, tu sais, c'est sûr, c'est toujours plate de passer à autre chose, mais en même temps, il y a quelque chose de libérateur aussi de plus faire les mêmes blagues. Je parlerai plus de mon poil! Non, mais d'être dans la création, tu sais, d'être dans les nouvelles idées, puis tu sais, la joke a fait rire, mais nous, après l'avoir joué 50, 100 fois, on s'habitue un petit peu, tu sais, tandis qu'une nouvelle blague qui fait rire pour la première fois, c'est galvanisant, tu sais, moi, c'est ça que j'aime, là, c'est de créer, fait que... Je suis là-dedans avec mon prochain spectacle. Puis j'essaie tranquillement d'explorer la fiction aussi. J'aime écrire de la fiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimerais ça écrire un film? Ou... Oui, j'aimerais ça éventuellement. Mais là, le projet qui m'allume en ce moment, écoute, c'est super embryonnaire, mais ce serait une bande dessinée. J'aimerais ça faire une bande dessinée. Es-tu bon dans le dessin ou tu aurais un dessinateur? J'essaierais de le faire. Ça viendrait avec la démarche. Je suis correct. Ouais. Les gens qui vont voir le spectacle, c'est moi qui ai dessiné les génériques animés. Ah ouais? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Fait que je vais essayer ça, sinon je le ferai dessiner. Ah bon. Ben écoute, je vais te souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Allez sur YouTube, hein, c'est facile à trouver. Oui, Charles Pellerin, vous allez le trouver cheveux au vent. In extenso, là, c'est tout le show, puis vous allez rire. Puis, ou sourire des fois, sourire en disant « Tabarnouche, le gars, il est capable de rire de ça ». Ben merci Charles, ça a été grand plaisir. Merci plaisir. Et puis, on va se retrouver tantôt, les abonnés, avec un couple qui s'appelle... Attendez, je regarde comment il s'appelle, le Good Life Couple. Ça, c'est des gens dont Alexandra Cosentino, qui a participé il y a longtemps, là, Occupation double, c'est juste pour vous donner une référence, mais depuis ce temps-là, elle est avec Kevin Maillet, et ils avaient des rêves qui n'étaient pas nécessairement complémentaires. Lui voulait des chevaux, puis de l'équitation, puis elle voulait de la méditation. Ils sont partis aux Bahamas, puis ils se lancent sur un ranch où on médite. Donc, pour les abonnés, on va les avoir tantôt. Pour les non-abonnés, vous pouvez aller vous abonner. Parce que vous savez, plus que l'abonnement, c'est plus que vous donnez, vous allez vous abonner à n'importe quoi d'autre, là, puis ça va donner de l'argent aux propriétaires. Nous autres, on est en train de développer un nouveau modèle pour que les gens qui vont venir, parce qu'on a d'autres podcasts qui vont partir prochainement, ils soient indépendants, qu'ils n'aient pas besoin des grandes institutions comme moi j'ai eu besoin pendant toute ma carrière pour être autonome, puis créer du contenu, puis bien en vivre. Alors, tu sais, des fois, vous mettez 5$ de plus à Bell, 5$ de plus à Vidéotron, bien, mettez donc un petit 5$ ici, et puis vous allez avoir droit à de la production 4 émissions par semaine.
Puis, si vous voulez pas en regarder un certain nombre, ben vous consommez celles qui vous disent quelque chose. Sinon, si vous abonnez pas, ben on va être de retour demain avec la partie gratuite. Et les autres, ben on se retrouve dans quelques secondes.